on wax ni dafa nopi il dit que li nga xamni mom mo xew assemblée yewi askan wi cautionne tout lolou noko meuna jangate ah amul pexé amul pexé allo beugumo non 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 meuna ah, non besoin, ah, il ne devrait pas il a besoin c'est de... pas c'est do attitude bo xamni dañukoy nangou ni nga xamni non lañu taxawé du li mo tax non mais mom ci bopam il est dans des excès depuis quelques années depuis enfin 2 ans donc li ni ni mom ci bopam xex na fi non ak ben way mbiri ci la xawma wa kon kay il peut pas dire autre chose xexu fi bir assemblée ba ñu gis ko okay ah jeexna ay marakis na waaw kur fi ni daw waaw jeexna il peut pas dire autre chose mais dama am fuma bëggoon taxaw ak yow ci ni nga xamni non lay waxtane ak presse bi ni mu waxtane ak presse bi il a dit aux journalistes yeen ñi nga xamni man ak yeen ñoy and di son et il dit que yeen sen patron de presse adu yaangi ni di tardé di ma ki di bëgg yeen sen patron de presse dañuy dem palais wala bok dañuy jël mom bi muy traiter les journalistes de corrompus dafa yag nit ñi kay ñoo man dama xamul lan moy wax ji il traite les journalistes de corrompus depuis le début mom bi mu fi kenné son premier livre home sur le pétrole home qui le taxone mom il a sorti un livre parce que les journalistes sont des corrompus et qu'ils ne disent plus la vérité ci bobu la tambali man kay yar yeen de nouveau man kay ñi yoni ay reporter ñuy couvrir ay guerre ñoma bon information la suñu démon ñuy poser ay questions muy tontu wala yoyu je serais d'accord parce qu'on n'est pas obligé de s'apprécier pour faire son travail. Mais nga dem texte micro muy waxté kenn do poser question, moi j'ai jamais compris ça. Man ben yon nga makay def dotou ko dole. C'est tout. Hein. So amé la wax nga yone ce communiqué de presse. Ouais, mais ibou donc si sa carrière de journaliste def nga plus de 30 ans ou 40 ans de journalisme, est-ce que tu as vu des situations pareilles? Tu as vécu des situations pareilles? Si ni lan journaliste corrompu lañ. Tout le temps. Mais le problème, on peut te traiter de corrompu, mais il faut le prouver. Man, ça ne me dérange pas, tu peux me traiter de corrompu, mais prouve-le. Ne kay wo nga ma fi, ne ma bindal li xarisa ngi ni ci radio la waxe nak. Ngok. Soko mene, na def ko, c'est tout. Hein? Non, le problème, c'est que la presse a toujours été traitée de corrompu. Tay so bindé ben ki ñu né le vraiment tu es le meilleur journaliste le lendemain tu écris parce que xam nga suivant les intérêts oui du moment suivant les intérêts tu décris des faits il y a des faits qui sont défavorables à quelqu'un mu né la yow c'est le camp adverse ñoo la jënt le lendemain tu écris des faits qui lui sont favorables mu né la ya fi gën ça mom c'est tous les jours on nous traite tous les jours ko defal lu ko neex il trouve toujours xam nga ñun on a cette faculté de faire porter la responsabilité de nos turpitudes aux autres tay soule yow da nga am lu la jaaxal au lieu nga ne man kat je suis responsable parce que j'ai pas assez travaillé j'ai fauté ici da ngay ne non nit ñi moy comme son affaire là biñ ko ne demul wuy ji gendarmerie ya une jeune femme qui t'accuse de viol lan lo c'est Macky Sall, c'est Mamour Diallo, c'est etc. Du lol. C'est le même principe. Il invective les yone fumu tok. Oui. Et non, c'est pratiquement général hein, la fuite de responsabilité, c'est-à-dire on est responsable de rien. L'affaire du Diola là, il y a encore pas de responsable. Wala du lol. Ah, OK. Ça fait 20 ans. Il y a pas de responsable. Ñun ñoo mel non. Au lieu de répondre aux questions et de se comporter normalement, il va dire que ce sont les journalistes qui racontent des histoires. Mais ne pas se comporter normalement marche merveilleusement bien dans ce pays. Ah, lolu ngay wax nak. Yo chaque jour mané le ce pays marche sur la tête nga fay wéti. Ah, fi kat sofi normalé, sans la ñi ki dafa dof. Sofi nekké nit ku normal, ci li ñi nan ki rek dafa dof. Bougoul dara ki ak yoy voilà c'est tout hein. Mais c'est comme ça que ça se passe boups y a rien de nouveau
ñun man bima gissé bimaay liggéey ba légui chaque jour ñu né ma vous êtes des corrompus té kenn mënu ko prouver ah wa ah en tout cas ñun ma kay jigni da xaw ko ko man prouver it nga prouver ko c'est tout hein ci li nga xamni mom modi wax yi ba tay ki nga xamni mom modi manam wa yewi position bi nga xamni mom lañu nekké c'est une position bo xamni vraiment dañu frontal légui gëna ñëmé ki nga xamni mom modi benno bok yakar dugg dañ ci ci am tal ko dé non en fait d'abord c'est ça a toujours été leur posture hein. Ñom ils ont toujours ouais mais là été... c'est devenu Non, c'est l'atmosphère de... Xam nga ñu ngi wajal l'atmosphère préélectorale. Ah oui, c'est tout hein. Ouais, xam nga élection. C'est un rapport de force traduit par les urnes. Mais il y a une influence sur le terrain, c'est-à-dire dans les médias ak yoyu ngay woné né ya fi mën ya fi ëpp nit ak yoyu di napanté ak yoyu parce que c'est ça après qui va déterminer la majorité silencieuse ni tok 17 ans xam nga dañuy jéki né ki mo ëpp doolé wala ki mo ëpp nit wala ki mo gëna nité ci loolu lañ nekk ñom fi mu né ni c'est une confrontation là c'est comme ça c'est normal hein? C'est les élections qui arrivent c'est l'élection des élections quoi c'est-à-dire bi mom du ay tiaxat bi mom ku daanu mom doto jog bi moy final bi di ñew ah wa gisso ñom Martar Cissé ak ñom Mimi Touré ak ñepp ngay genn di genn ay photo nan man dama yeki ah Martar Cissé est très beau hein ci photo bi en tout cas genn na affiche de nena dal day dafa dekk bi non c'est parti hein c'est parti ñepp ngi ci ya yu benn bokk yaakar genn nañu xoma ñaata candidat hein Mimi Touré génn na bassam Matar Cissé jaay dal Macky Sall lañuy déglu Sonko oui Sonko c'est clair Barthélémy Diaz xamna lay bay ba yefam sédd touti muy dog kefit loy wax yefam sédd touti bu démé cassation ba paré ah waaw wala mu négocier ko ci lénen ah en tout cas fi gako ma ngi gako non mom kay nit ñi seen yaram ngi tang et après il y a le piège des parrainages. Ah, lolo, parce que c'est la première. C'est ce qu'il faut faire là à partir de maintenant. Les gens qui ont été bloqués. Non, c'est la DRDDR, mon cas final bi etc. Ah, man fogon na nañu xaw noppalu ko tout ça, mais gaay ken xarul. Amul noppalu ko. C'est parti. De toute façon, je disais mais tu trouves pas qu'on a tellement d'élections dans ce pays? On a fait des élections au mois de on a fait des élections, en fait, locali, on a no, fait des élections, no, on a fait des élections. Locali, on, c'est, ça a l'impression qu'on est un pays d'élections, ça ne s'arrête jamais. Bon, c'est normal. C'est normal, je pense, que qu'on consulte les gens. Ouais, mais il faut coupler les choses et puis le faire. Non, faire pas forcément. Pas forcément. Il faut faire le ménage sur la scène politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas autoriser toute cette faune-là. Pratiquement tout le monde se jette en politique parce que c'est la voie la plus désorganisée d'abord. Tout le monde peut en faire. Et c'est un raccourci pour faire de la notoriété et de l'argent. C'est un raccourci, la politique, pour faire de la notoriété et de l'argent. Wow. Donc, tu veux dire que les politiques ne travaillent pas? Non. Mais justement, normalement, les gens qui devraient aller en politique, moi, ceux qui ont fait carrière, qui ont réussi plein de choses, qui ont de l'argent, qui ont du savoir, qui ont du savoir-faire, et qui veulent rendre à leur pays ce qu'il leur a donné. Ñoñu wara politique. Nga xamné, ils n'ont pas de problème de survie. Mais toi, quand tu fais de la politique pour payer tes factures. Ay, ak jënd ay costume ak lélé nga fadd ci xalé. C'est compliqué. C'est les deniers publics ñoy vont en souffrir. Ah oui. C'est comme ça. Malheureusement,
normalement, ceux qui doivent faire de la politique, il faut réglementer cette affaire. Nous savons comment tu finances tes activités. Est-ce que ce sont des cotisations? Est-ce que tu as de l'épargne? Est-ce que tes militants peuvent soutenir ça? Okay. Sinon, d'aller magouiller, d'y négocier avec ceux qui tiennent les deniers publics, d'y marchander ce poids, cette notoriété d'aller marchander. Soit à mes 1000 personnes derrière toi, tu commences à voir ni. Nous les jours tirés à l'issue de Kobe. On n'en sort pas. On n'en sort pas. Il faut nettoyer la scène politique. C'est le moment. Ah, mais tu sais, Ibu, là, on est dans l'impossibilité de faire ça. Donc, wow. Prochain président. Prochain président, c'est le moment. Mais ce n'est pas fait pour ça. La politique, c'est fait pour servir et pas pour se servir. Voilà, je suis dit que c'est ça, c'est le principe. C'est-à-dire, yo, dem nga ba nga xamné meun nga meunal nga rewmi fofu nga wara politiquer, mais ki nga xamné dafa yaakar ci alalu rewmi pour t'aide, mais koku dafa wara, il doit servir. Mais quand tu viens pour te servir, ça c'est un problème, parce que son objectif c'est pas de servir les gens, mais c'est de te servir. Luñu denk nga lek ko. Ah wa. Lolu kay jexna.